Dessine la courbe représentative de la fonction d'équation y égale 2x plus 7. Donc ici, on nous donne déjà l'équation. Ce qu'il nous reste à faire pour trouver la courbe qui représente cette fonction, eh bien, c'est d'abord de dresser un tableau des valeurs de x et y qui sont générées par cette équation-là. C'est ce qu'on va faire tout de suite. On va dresser un tableau avec les x d'un côté et les y de l'autre. Et on va choisir des valeurs de x au hasard, on va calculer, pardon, les y qui correspondent à ces valeurs de x. Par exemple, on peut prendre x est égal à moins 2. Que vaut y si x est égal à moins 2? Bien, y va valoir, on va remplacer x ici par moins 2, donc y va valoir 2 fois, on remplace x par moins 2, 2 fois moins 2, plus 7. Combien ça fait ça? Alors, 2 fois moins 2, ça fait combien? Ça fait moins 4. Moins 4 plus 7, ça fait combien? C'est bien ça fait 3. Donc, quand x vaut moins 2, y vaut 3. On va essayer, par exemple, x est égal à 0. Que vaut y si x vaut 0? Eh bien, on remplace x par 0. Alors, on a 2 fois 0 plus 7. Ça fait combien ça? C'est bien ça. Ça fait 7, parce que 2 fois 0, ça fait 0. On va continuer à calculer, on va prendre par exemple x est égal à 2. Que vaut y si x est égal à 2? Bien, y vaut 2 fois 2, on remplace le x par 2, plus 7. Ça fait combien ça? Ça fait 4 plus 7, et 4 plus 7, ça fait 11. On va calculer un dernier point. Par exemple, x est égal à 3. Que vaut y si x est égal à 3? Eh bien, y va valoir 2 fois 3 plus 7. 2 fois 3, ça fait combien? 2 fois 3, ça fait 6. 6 plus 7, ça fait combien? Ça fait 13. C'est bien ça. Maintenant, on a 4 paires de coordonnées, 4 points. On va pouvoir tracer la courbe qui correspond à cette équation-là. Donc je vais dessiner un graphe ici. Donc on va faire ça à la main. Voici ici l'axe des x, l'axe des y ici, l'origine du repère, et on va faire des graduations ici et ici. Alors, je ne vais pas avoir beaucoup d'espace sur l'axe des y, mais ce n'est pas grave, on devrait avoir assez de points pour tracer tout ça tout de même. Donc ici j'ai 2, 4, 6, etc. 2, 4, 6, moins 2, moins 4, moins 6, et je place mes graduations ici aussi. Alors, on va placer le premier point, le point de coordonnées moins 2, 3. Où est-ce que tu le placerais ce point? Oui, il faut aller à moins 2 sur l'axe des x, donc une graduation vers la gauche à partir de l'origine, deux graduations, c'est ici. Et ensuite 3, 3 ça se situe à peu près ici. Donc ici, on placerait le point de coordonnées moins 2, 3. Donc on n'a pas beaucoup de place, je vais peut-être juste poursuivre un peu l'axe ici. Donc on va faire un peu d'espace. On va poursuivre un petit peu cet axe-là parce que sinon on ne va pas réussir à placer les prochains points. Et ici, 8. Ça, c'est l'axe des y. Donc le prochain point, c'est le point de coordonnées 0, 7. Où est-ce que tu le placerais? Oui, il faut se mettre au niveau de 0 sur l'axe des x et ensuite on monte jusque 7. C'est à peu près ici. Et je pense qu'on ne va pas réussir à placer les autres points parce qu'on sortirait du repère ici. Mais deux points, ça suffit à tracer la droite. Il faut relier ces deux points, tracer la droite qui relie ces deux points. Je vais essayer de le faire du mieux que je peux. C'est cette droite-là. Cette droite-là est la courbe représentative de la fonction d'équation y égale 2x plus 7. On va passer au problème suivant. On nous dit, tu viens de prendre un avion pour aller de New York à Paris et tu aimerais échanger des dollars contre des euros. Puisqu'à New York on utilise des dollars et qu'à Paris on utilise des euros.
Donc ici, on a pris ces monnaies-là comme exemple, mais tu pourrais imaginer qu'on peut aussi utiliser par exemple des francs CFA ou d'autres monnaies. Donc on nous dit le service de change coûte 5 dollars et pour tout dollar supplémentaire, tu vas recevoir 0,7 euros, 70 centimes d'euros. Dessine la courbe qui représente cette situation et détermine combien d'euros tu recevras si tu donnes 50 dollars. Donc déjà, on va essayer de trouver l'équation qui représente cette situation. Qu'est-ce qui se passe? On a des dollars et on aimerait avoir des euros à la place. Et nous, on veut savoir combien d'euros on va avoir si on a une certaine quantité de dollars. Donc, ce qu'on cherche, c'est ça, c'est les euros qu'on va avoir en fonction des dollars qu'on a. Déjà, on nous dit que tout de suite, au service de change, on va nous prendre 5 dollars, parce que c'est le prix que coûte leur service. Il coûte 5 dollars. Donc, ça, c'est les dollars qu'on a. Sur ces dollars-là, on va déjà nous prendre 5 dollars. Donc il nous restera la quantité de dollars qu'on a moins 5. Ça, c'est ce qu'il nous restera une fois qu'on aura accepté d'utiliser ce service de change. Et pour tout ce qui va nous rester, justement, toute cette quantité-là, bien on nous dit qu'on va nous donner 0,70 euros par dollar. Donc ce qu'il faut faire, c'est prendre cette quantité-là et la multiplier par 0,7. Et ça va nous donner la quantité d'euros qu'on va avoir en fonction de la quantité de dollars qu'on avait. Donc, ce qu'on peut faire pour répondre à la question, c'est déjà dresser un tableau avec les valeurs d'euros et de dollars qui se correspondent. C'est ce qu'on va faire tout de suite ici. Je te propose d'effacer ce qu'on a fait ici pour faire un petit peu de place et qu'on puisse travailler tranquillement. Donc, sinon, nous n'allons pas réussir à tout faire. Rentrer sur l'écran. Donc on va commencer par dresser un tableau avec d'un côté les dollars que nous avons et de l'autre côté la quantité en euros qui correspond. Imaginons qu'on ait uniquement 5 dollars. Combien d'euros est-ce qu'on va nous donner au service de change? Eh bien déjà, ce qu'il faut faire, c'est donner 5 dollars, pardon, au service de change, parce que c'est ce que ça coûte. Donc si je n'ai que 5 dollars, eh bien, il nous restera en fait, après avoir payé le service, 0 dollars à échanger contre des euros. Donc, si j'ai 5 dollars, je vais obtenir 0 euros. Donc, en fait, ça ne vaut vraiment pas le coup d'échanger 5 dollars à ce service de change. Imaginons maintenant que j'ai 10 dollars. Combien est-ce que je peux avoir d'euros à partir de 10 dollars? Eh bien, si j'ai 10 dollars, on va le calculer ici. Si j'ai 10 dollars. Donc, on va déjà enlever 5 dollars parce que c'est ce que coûte le service de change. Et ensuite, pour chacun des dollars qui va me rester, on va me donner 0,7 euros. Donc, il faut calculer cette quantité-là pour savoir combien d'euros je vais obtenir. 10 moins 5, ça fait combien? C'est ça fait 5. Et on veut multiplier 5 par 0,7. Tu peux faire ce calcul-là de tête en te disant que 5 fois 7, ça fait 35, et ici on ne multiplie pas par 7 mais par 0,7. Donc quelque chose qui est 10 fois plus petit que 7. Donc au lieu d'avoir 35, tu vas avoir quelque chose qui est 10 fois plus petit que 35, c'est-à-dire 3,5. Pour 10 dollars, pardon, tu vas obtenir 3,5 euros. Imaginons maintenant que tu aies 25 dollars. Si tu as 25 dollars, combien est-ce que tu vas avoir d'euros? Bien, si tu as 25 dollars, il faut déjà enlever 5 dollars pour payer le service, et ensuite chacun des dollars restants va te permettre d'obtenir 0,7 euros. Donc on va calculer ça. 25 moins 5, ça fait combien? Ça fait 20. 20 fois 0,7. On va appliquer la même méthode de calcul que pour trouver ce résultat-là. 20 fois 7, ça fait combien? 20 fois 7, ça fait 140. Et là, on a 10 fois moins que 140, puisqu'on multiplie par 0,7. Donc 10 fois moins que 140, ça fait 14. C'est bien ça. Donc si tu as 25 dollars, tu vas obtenir 14 euros. On va tracer la courbe. Maintenant qu'on a 3 points, c'est largement suffisant pour tracer la droite. En fait, il aurait suffi de 2 points, mais ici, on va garder tout ça. Donc,
Je vais dessiner ça le plus droit que je peux. On va utiliser ça. Ça sera bien plus joli. Donc ici, en fait, ce qui nous intéresse surtout, c'est le premier cadran du plan. Pourquoi? Parce que on va calculer des euros et des dollars, donc des quantités positives. Là, 0, 2, 3. On va aller de... Oui, on va aller de 2 en 2. 1... Ou plutôt de 5 en 5, ça sera plus simple. Donc 5, 10, 15. Non, ce n'est pas très bien fait. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Et je poursuive un peu ma droite ici. Je poursuive un peu ma droite ici. Donc là, c'est 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 et 50. C'est ce qui nous intéresse ici. On veut savoir combien d'euros on va avoir si on a 50 dollars. Donc sur l'axe des abscisses, j'ai les dollars et sur l'axe des ordonnées, les euros. Donc ici, on va aussi aller de 5 en 5. Donc j'ai 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. 10, 15, 20, 25, 30, 35. Donc tu vois, on n'a pas la même échelle sur l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, mais ce n'est pas du tout un problème. Nous allons placer nos points. Donc quand on a 5 dollars, on a 0 euros. 5 dollars, ça se situe où? Ça se situe là. Et 0 euros, eh bien ça veut dire qu'on est au niveau de l'axe des abscisses. Donc ce point-là se trouve ici. Ensuite, si on a 10 euros, on a 3,5. Pardon, 10 dollars, on a 3,5 euros. Donc 10 dollars, 3,5 euros, ça se situe environ ici. Si j'ai 25 dollars, j'ai 14 euros. 25 dollars, j'ai 14 euros. Donc ça se situe à peu près ici, je dirais. Et nous avons suffisamment de points pour tracer notre droite. C'est ce qu'on va faire. Donc je vais tracer la droite du mieux que je peux. Voilà, nous avons notre droite. Et maintenant, on nous demande de dire combien on va recevoir d'euros si on donne 50 dollars. Donc 50 dollars, c'est ici. Combien d'euros est-ce qu'on va recevoir? Ma droite n'est pas très précise. J'ai l'impression que je vais obtenir à peu près 35 euros. Je te propose qu'on fasse le calcul pour être sûr qu'il s'agit bien d'une quantité de cette quantité-là. Ce n'est pas tout à fait facile à lire, donc on va tout de même faire le calcul. Parce qu'en plus, c'est une quantité qu'ici qui est très imprécise. Donc c'est ce qu'on va faire. On va calculer combien d'euros on va obtenir à partir de 50 dollars. Donc la quantité d'euros que je vais obtenir, on va l'écrire ici. Elle va être égale à la quantité de dollars que j'ai au début, 50, moins 5, multiplié par 0,7. On va calculer ça. 50 moins 5, ça fait combien? Ça fait 45. Donc il faut que je calcule 45 fois 0,7. On va le faire dans un coin ici. 45 multiplié par 0,7. Ça fait combien ça? 7 fois 5, ça fait 35. Je retiens 3. 7 fois 4, ça fait 28. Plus 3, ça fait 31. Et on a un chiffre après la virgule. Donc je mets un chiffre après la virgule ici. Et je trouve 31,5. Avec 50 dollars, on obtient 31,5 euros. Donc tu vois ici, avec la lecture de la courbe, on était à peu près à 35, qui n'est pas très éloigné de 31,5, qui est le bon résultat, mais la lecture de la courbe nous a donné un résultat très imprécis. Donc si tu veux avoir une réponse extrêmement précise et certaine, il vaut mieux que tu fasses le calcul à partir de l'expression qu'on avait trouvée au début. À une prochaine vidéo!